Le Forum international des innovations ouvre ses portes à Moscou au moment où le parquet russe exprime ses soupçons sur la mauvaise utilisation faite des fonds qui étaient dédiés à la mise en place de Skolkovo près de Moscou. C'est un centre d'innovation qui se veut la Silicon Valley américaine. La justice russe explique que plus d'1,5 milliard de dollars de fonds gouvernementaux ont été transférés à la fondation Skolkovo sans contrôle. Le nom du milliardaire Viktor Vekselberg, président de Skolkovo, est souvent prononcé. À ce que je sais, affirme le vice-ministre russe chargé du développement économique Oleg Fomichev, les procureurs avaient déjà fait une déclaration l'été dernier dans laquelle ils énuméraient une série de violations de la procédure. Mais ces violations n'étaient pas de nature criminelle. Ces violations étaient en relation avec le fait qu'au sein de la fondation Skolkovo, le système interne d'entreprise n'a pas été bien mis en place. C'est pourquoi tout l'argent qui a été distribué pour les bourses et les projets innovants l'a été sans les documents d'entreprise nécessaires et a posé question aux procureurs. Le nom du président de Skolkovo, Viktor Vekselberg, quatrième fortune russe selon le magazine Forbes, a été mentionné parmi les personnes supposées avoir bénéficié de ce processus laxiste dans l'attribution des bourses du centre Skolkovo.